à Dieu appelle les gens. Parce que la Bible dit, que je ne connais pas le passage par cœur là, la parole là, elle vient de n'importe où là. La parole peut venir à droite, à gauche, tu l'entends, tu es comme qu'est-ce que j'entends ça, mais c'est quoi ça? Là tu vois des signes, mais pourtant, tu n'as jamais vu ça toute ta vie là, ici là, au Québec, tu n'as jamais vu ça même. Et ça là, c'est les pasteurs qui sont censés faire ce job là. Et puis tu vois, on ne demande pas l'argent là. Tu comprends? On n'a pas de bannière, puis on ne demande pas de l'argent. On met notre vie pour faire cette affaire-là. Mais lis ce verset-là. Je te prouve que tu es là en ce moment, c'est à cause de Dieu que tu es là. Ce n'est pas à cause de nous. Le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 9. Yes. Le cœur de l'homme médite sa voix. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. C'est Dieu qui a dirigé tes pas là pour que tu sois là jusqu'à présent. Là, tu as pris plein de gens aujourd'hui, là. C'est comme le cours là, d'université que tu as fait là. Tu as appris qui sont tes ennemis. Tu as appris Jean 3, verset 16. Tu as appris que quand la parole de Dieu vient, tu peux avoir la tête couverte. Et tu as découvert ta tête. Puis il y en a qui sont rebelles. Mais qui ne veulent pas. Puis tu es resté sous le soleil en train de brûler, man. Puis ton frère est là. Mais il est là. Il n'est pas en train de t'emmerder. Puis on allait. Parce que des fois, là, il y a des gens qui viennent. Des partenaires qui sont là. Des couples. Et puis c'est surtout la fille qui est presque le cahier. On s'en va. Mais vous êtes là. Même s'il n'est pas ici, il est loin. Mais c'est Dieu qui a dirigé vos pas. Tu comprends? Mais quand le frère, il t'a appris beaucoup de choses. Mais là, il y a une chose à faire. Il t'a lu Deutéronome 10. Là, ce qu'il te reste à faire, c'est de commencer à observer les commandements. Parce que, va dans Romains 2.13, s'il te plaît. On va dans Romains 2.13. Parce que là, ce que tu écoutes en ce moment, c'est la loi. C'est la loi de Dieu. Que ce soit des historiques, que ce soit ces prophéties, c'est la loi. La Bible, c'est un livre de loi. Ok? Le livre de Romains, chapitre 2, verset 13. Oui? Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi. Là, en ce moment, tu écoutes la loi. Tu écoutes. Depuis qu'on a commencé le camp, t'écoutes. Mais Dieu est content quand même, mais il y a une autre chose que tu dois faire. Il y a deux sur deux que tu dois faire. Là, tu fais le 1 sur 2. T'écoutes. Mais l'autre partie, dit, ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi, qui sont justes devant Dieu. Dit, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc c'est ceux qui la mettent en pratique, c'est-à-dire ceux qui font les commandements de Dieu. Là, t'écoutes, c'est bien. Mais nous, on aimerait, mais Dieu aimerait vraiment, Christ aimerait, qu'une fois qu'on termine ici, tu rentres chez vous, tu commences à penser à ça et tu commences à mettre les commandements en pratique. Commence par les petits commandements. Arrête-moi, ta mère fait du griot, ça c'est contre la Bible, tu comprends? Mais ta mère, elle fait le griot parce que, est-ce que son passé l'a enseigné, c'est que avec le sang de Jésus, et ma soeur, ça va bien? Ouais, c'est ça. Ah, ok. Avec le sang de Jésus, tu peux prier sur le porc et c'est correct, tu peux le manger. Tandis que non. Tu comprends ce que je veux dire? Commence par mettre des franges sur tes vêtements. Je sais que c'est pas une chose facile, mais il y a un début à tout. Comment je veux dire? C'est là maintenant, la description du Christ, c'est ça? Ok, dis-moi ça. Non, c'est quoi? Dis-moi ça. Le livre de Jacques, chapitre 1. Verset 22. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas. Mais attends, tu vois que tu ne te bornes pas. T'es là, ça fait comme dis-moi 2 ans que tu es là, tu comprends? Tout ce qui te reste à faire, c'est de le mettre en pratique. Pour que tu sois avec nous. Parce que yo, laisse-moi poser une question. Moi je suis étonné pour lui, il t'a pas posé la question. Yo, t'es même pas ça à régner sur les nations, sur les nations, surtout sur les blancs. T'es pas pensé à régner sur eux autres? T'es pas pensé à être roi? T'es pas pensé à avoir la vie éternelle? T'es pas pensé à avoir un autre corps que ce corps-là? Mais c'est ça qui t'attend si tu observes les commandements de Dieu et que tu persévères jusqu'à la fin. Parce que comme le roi t'a dit, ce qui t'attend là, une fois que tu mets les lois de Dieu en pratique là, c'est rien de bon qui t'attend là, mais c'est le prix à payer. Ok, va dans Matthieu 10, juste avant que je te montre la description du Christ, va dans Matthieu 10. Parce que comme il dit, il y a un prix à payer. Tu meurs pour avoir la vie éternelle. Oui, il y en a qui vont être vivants quand Christ va retourner. Mais on va pas commencer à se mettre en terre, moi je suis vivant, parce qu'il n'y a personne qui veut mourir. Mais Dieu a déjà sélectionné des gens qui vont perdre leur vie pour la vérité. Et il y en a qui vont passer par des souffrances, par des persécutions, mais qui vont rester en vie jusqu'à ce que Christ retourne. Mais mon frère, comme moi j'aimerais pas ça que comme il y a un frère qui nous a dit, oh ben tu sais quoi, moi je
vais accepter ce qui va m'arriver. Je vais prendre la punition, j'accepte la mort. Ça, c'est stupide. Tu peux pas penser comme ça. Oui, tu peux penser comme ça, mais ça va pas être aussi simple. Alors, tu penses que Dieu, vraiment, il va te laisser parler comme ça, et puis quand la mort va arriver, puis, you know, non, tu vas regretter d'avoir dit ça. Tu comprends? Dis ça. Oh, attends, Le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 34, tu vois? Comme ton frère tout à l'heure, la question qu'il m'avait posée, Dieu ne veut pas que tout le monde soit ensemble égaux. Dieu, c'est quelqu'un de division. Dieu a son aide, division, la séparation. Tu comprends? Mais personne va te le dire. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. Mais l'épée, l'épée qui est la parole. Christ est venu amener la parole de Dieu. Tu comprends? Et nous, c'est ce qu'on fait en ce moment. Ça, c'est notre épée, la Bible. Verset 35. Car je suis venu mettre la division. Mais quoi? Mettre la division. La division. Entre l'homme et son père. L'homme et son père, continue. Entre la fille et sa mère. La fille et sa mère, hein. Entre la belle fille et sa belle-mère. Donc Dieu est venu. La parole, c'est ce que la parole de Dieu fait. Ça met des divisions, des séparations. Parce que, regarde, là tu habites chez ta mère. Ta mère continue à manger du porc. Tu dis, mamie, il ne faut pas manger du porc, c'est prendre la Bible. Ah, bon, peut-être moins. Mais toi, tu décides de faire la volonté de Dieu. Automatiquement, on va une séparation. Toi et ta mère, vous serez tous la même longueur d'onde. Ta mère risque même de tailler pour ça, là. Mais pourtant, tu fais quelque chose de bien. C'est ça, être persécuté à cause de la parole de Dieu. Tu comprends? Là, tu as des partenaires, tu as beaucoup d'amis. Tous les vendredis, vous allez dans les clubs. Samedi, vous allez dans les clubs, vous chillez avec des femmes. Mais là, maintenant, là, t'as pas que okay, je peux plus faire ça. Parce que le vendredi soir, c'est le sabbat qui commence. Et sabbat ou pas sabbat, un serviteur de Dieu ne peut pas aller dans les clubs. Tu ne peux pas commencer à coucher avec des femmes à droite, à gauche. Tu comprends? Tu dois coucher avec ta femme. Mais quand tu commences à suivre cette voie-là, là, tes partenaires vont commencer à se séparer de toi. Ah, yo, t'es bizarre. Nick, c'est ça ton nom? Ah, Nick, t'es bizarre. Nick, t'es si, t'es vieux, nec, bah, nous pas cacher là-bas encore. C'est ça que la parole de Dieu fait. Yo, nous, on avait tous des partenaires ici. Des gros partenaires. Tu comprends? Il y en a qui étaient des coureurs de chapeau, comme on dit. Mais on a décidé de laisser ces voies-là pour la parole de Dieu. Tu comprends? Parce qu'on sait qu'on va avoir mieux. Voilà, mon frère, la description de Christ. Verset 36. Verset 36. Et l'homme aura pour ennemi. Donc Nick, si Nick se repent, il va avoir pour ennemi qui? Il aura pour ennemi les gens de sa maison. Non, les autres nations. Les gens de sa maison. Donc, une fois tu décides de faire la volonté de Dieu, si ton frère ne veut pas, il est ton ennemi. Ta mère ne veut pas, elle est ton ennemi. Ta grand-mère ne veut pas, ennemi. Ça veut dire que là, tu vas te... Et c'est là que Dieu va te tester. Parce que la persécution, là, les gens le voient comme, oui, c'est peut-être quelque chose qui fait peur, vraiment. Mais la persécution, c'est un test. Parce que c'est... tout le monde dit qu'ils aiment Dieu. Nous, on dit qu'on aime Dieu. Les chrétiens disent qu'ils aiment Dieu. Les musulmans disent qu'ils aiment Dieu. Tu vas dire, ah, ok, je vais te tester. La même chose quand tu vas à l'école. Quand tu vas à l'école, tu apprends, n'est-ce pas? Tu écoutes le professeur qui parle. Le professeur te demande des instructions. Tu écoutes. Mais toi, tu dis, yo, tu sais quoi? Je vais aller en secondaire 2. Ah, mais toi, t'es en secondaire 1. Tu vas pas aller en secondaire 2 comme ça, là, parce que t'as écouté, là. Je vais passer dans une test. Je vais donner un examen. Un examen difficile. La persécution est difficile. Tu comprends ce que je veux dire? Là, si tu passes l'examen en bas misère, tu vas aller en secondaire 2. C'est la même chose pour ici. Tu comprends? Donc, Dieu va nous passer par un test. Persécution qui pète de ta famille. Persécution, le monde en général. De ton travail, ton environnement, tes amis, tout ça, qu'est-ce que tu deviens seul? Mais pour demain, tu n'es pas seul, tu as nous ici, tu comprends? Donc, c'est ça, mon frère. Donc, une fois que tu commences à faire la volonté de Dieu, tu es déconnecté du monde. Tout ce qui était normal devient anormal, tu deviens anormal, tu comprends? Tout ce qui faisait du sens, comme fêter Noël, fêter tes jours d'anniversaire, est-ce que tu avais c'était contre la Bible, ça? Fêter ta fête? On a tout fêté nos fêtes. Tout ça, c'est contre la Bible, ça fait plus de sens. Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. Comment? Je sais, on prend du temps avant de monter à la discussion. Quand on parle, les versets viennent dans nos têtes. Mais même l'image de Christ, c'est important de. Tu peux connaître l'image de Christ, tu peux le savoir l'image, mais si tu ne sais pas les commandements, ça ne donne à rien. Parce que c'est les commandements qui. C'est la désobéissance aux commandements
qui nous ont mis dans cet état-là. Donc, pour sortir de cet état-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement, c'est simple. Le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 25. Yeah. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Parce que beaucoup de monde, ils abandonnent leur assemblée. Abandonne ton église le dimanche, c'est pas grave. Tu peux abandonner ça, mais abandonne pas la vérité. Tu comprends? Ici, là, c'est une église. Et mon frère, ça va faire, ça va bien? On parle à la part de Dieu. T'as deux minutes? Deux minutes. Ah, mon cher, deux minutes. Parle pour Dieu, mais... Je vais m'y ça. Ah, bon, ok. Il y a un numéro là, si tu peux arrêter nous. Attendez, mais... Ok. Donc, oui, c'est ça. Ici, c'est une église, là, ici, là. Le mot église, là, ça ne veut pas dire une baptiste avec une porte puis une centaine de bancs, là. Ça, c'est l'église ici, là. T'es à l'église en ce moment-là. Continue. N'abandonnons pas l'assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Parce que plusieurs, par découragement, finissent par abandonner. Mais exhortons-nous réciproquement. Donc, on s'exhorte, on est en train de t'exhorter, Nick, pour que tu puisses te repentir et observer les commandements de Dieu pour qu'on puisse être ensemble jusqu'à ce que Christ retourne. Et cela. D'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour, quel jour? Destruction. Je ne sais pas si tu sais là, mais il va pas la troisième guerre mondiale. Ça c'est la guerre de Dieu là. Ça c'est Christ qui va venir faire la guerre là. Les nations vont commencer à faire la guerre entre eux autres. Là ils vont voir un Christ noir apparaître sur les cieux qui va venir. Christ va juste débarquer pour commencer à massacrer du monde. Le pape a lu Esaïe 63, Dieu va avoir plein de sang sur lui là. Donc il va avoir une guerre physique là. Tu comprends? Là, on fait la guerre spirituelle, on fait la guerre contre les doctrines. Le frère, il refuse la parole de Dieu. Là. Quand quelqu'un refuse la parole de Dieu, là, tu refuses la vie éternelle. Là. Tu comprends? Tu refuses la vie éternelle. Tu refuses le RMDC, tu refuses ce qui va. Mon frère, ça a deux minutes, tu peux écouter la parole. C'est très important, mais ça a deux minutes. Je suis occupé, là. T'es occupé? Ah. Mais un peu de temps pour Dieu, man. Tu comprends le dire? Parce que quand Christ va arriver, là, tu vas pas dire à Christ, hey, je suis occupé, là. Tu comprends le dire? What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is